C'est sur l'immense marché de Pir Vadai, le ventre d'Islamabad, que nous avons découvert pour la première fois les camions pakistanais. Nous étions encore loin de penser que nous allions en faire un champ d'observation et encore moins un film. Cette première immersion déroutante nous empêchait de voir au-delà de notre fascination. Un écran d'exotisme fixait notre regard sur les apparences et paralysait l'émergence d'un point de vue nécessaire à orienter toute amorce d'enquête et de questionnement. Mais ce premier sentiment de sidération n'est-il pas toujours présent à l'origine de toute enquête? On se sent alors si débordé par cette profusion de réalités qui s'enchevêtrent tant et tant, que toute tentative d'ouvrir des brèches est un échec. Nos expériences antérieures sont d'un secours fragile. Toute méthodologie est chaque fois réinventée. Comment appréhender cette altérité têtue qui se dérobe? Comment créer des liens, faire naître du sens, noyer que nous sommes dans le tohu-bohu de nos ignorances? Mais voilà que peu à peu, des intuitions s'éveillent qui seront par la suite, nous le savons, malmenés. L'écran de l'exotisme se dissipe et nous commençons à entrevoir du sens caché dans la banalité du quotidien. C'était compliqué pour mettre en place ce film. À mesure où nous ne parlions pas la langue, on ne parlait pas le Punjabi, et la solution la plus rapide, la plus confortable, eût été d'avoir un traducteur, hein, qui nous aurait accompagnés sur le terrain et qui aurait posé des questions. Nous avons réfléchi à cette possibilité, nous l'avons tenté, mais il se trouve qu'il y avait là une difficulté à introduire des gens de la ville dans ce monde des camionneurs, des gens étrangers, des Pakistanais étrangers au monde des camionneurs, dans le monde des camionneurs. On a senti qu'il y avait chez les camionneurs beaucoup de réticence, voir arriver des gens qui n'étaient pas de leur groupe, hein. Des gens de la ville, au demeurant, un traducteur, c'était... Penser à des universitaires, hein, et le regard de ces gens-là, d'une certaine bourgeoisie, hein, était mal accepté par le monde des camionneurs. Nous, en tant qu'étrangers, nous étions neutres. Il n'y avait pas de méfiance vis-à-vis de nous. Hein. Donc nous avons fait l'hypothèse qu'il était, malgré la difficulté de la langue, qu'il était plus cohérent, en tout cas, oui, plus cohérent de se confronter directement, hein, par-delà la langue, à ce monde des camionneurs. Sans intermédiaire, hein.
sans médiation. Fait d'avoir, d'être passé aussi longtemps, d'avoir habité aussi longtemps ces cours, nous avait familiarisé au fonctionnement de ces cours, sans pour autant avoir accès à la langue. C'est dans un second temps, et ça le second temps a été évidemment l'épreuve de vérité pour nous, quand il a fallu traduire. Nous avons traduit à ce moment-là avec des universitaires pakistanais au départ, et à notre grande surprise, et à leur grande surprise, les séquences que nous avions filmées étaient cohérentes. Nous avons créé des ateliers de traduction à Islamabad. La plupart des traducteurs étaient des anthropologues qui découvraient un monde qu'ils ne connaissaient pas. Ce monde des camionneurs est un monde, autant évidemment les camions sont visibles sur les routes, mais ce qu'il y a, ce qui se passe dans les cours de construction des camions, ils n'avaient aucune connaissance de ce milieu, de cette manière de fonctionner, de cette mentalité. Donc ça a été aussi une grande surprise pour eux qui, au départ, décourageaient notre initiative de se lancer dans une histoire pareille, sans connaître la langue et avec le pari que nous avions fait, de ne pas être accompagné par des informateurs ni des traducteurs. C'est vrai que ça correspondait aussi à une idée que je me fais, du cinéma anthropologique, savoir de mettre en scène la parole, que la parole soit suffisamment libre pour que se disent des choses vraies, que la vérité des personnages que je filme soit entière. Des intermédiaires auraient parasité ces situations de parole. Vous voulez que cette parole se déploie sans qu'elle soit provoquée, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit comme si nous n'étions pas là. Et nous n'étions pas là pour eux
à la fois présent et absent, parce qu'il savait qu'on ne comprenait pas. Donc tout à fait libre de s'exprimer comme il voulait, hein, de ne pas se censurer dans leurs propos. Il faut savoir que le vocabulaire des camionneurs est souvent très, très argotique, hein, à connotation sexuelle, avec des mots qui ne sont pas qui ne sont pas convenables, hein, pour des gens et pour des citadins pakistanais. Donc il avait toute liberté de s'exprimer comme il le faisait d'habitude. C'est ainsi que nous avons pu recueillir cette parole vive, me semble-t-il, dans sa spontanéité première. Mais encore fallait-il trouver notre propre place, différente pour Annie en tant que femme dans un milieu d'hommes que pour moi-même, une place juste pour ne pas perturber le quotidien des ateliers. Cela ne va jamais de soi quand il s'agit d'inventer une relation qui ne soit pas de simple curiosité, mais fondée sur la tendresse, la discrétion et l'oubli de soi. Comment dans un monde traversé par des codes culturels qui nous sont étrangers, saisir la bonne distance pour laisser venir à soi l'autre dans ce qu'il a de meilleur, dans son authenticité la plus intense? Comment établir, au-delà des mots, un dialogue fertile? Dans la mesure où nous tournions, nous étions aussi assimilés à des artisans. On pratiquait un artisanat autre que le leur, mais ils avaient conscience que nous fabriquions quelque chose comme eux fabriquaient quelque chose. Nous étions les interprètes de leur réalité, comme le peintre est l'interprète des rêves des camionneurs, de l'imaginaire des camionneurs. C'était un peu ça. Nous formions donc un couple dont ils pouvaient très bien comprendre la relation en fonction de leur système à eux, maître-apprenti. Compte tenu de notre différence d'âge, Adi et moi, ils avaient réalisé, c'était ce qu'ils pensaient, semble-t-il, de notre relation, que j'étais le maître, qu'elle était l'élève, et que nous étions dans la même relation d'apprentissage que le peintre et l'apprenti, que le mécanicien l'apprenti, que le maître du thé l'apprenti. Nous formions donc un duo tout à fait compréhensible pour les artisans. On fonctionnait en quelque sorte selon le même schéma de transmission du savoir pratique. C'est ce qui nous a énormément aidé à travailler. On n'était pas très sûr de notre coup, on n'était pas très sûr de réussir ce pari, de filmer sans comprendre la langue. Et on a tenté une contre-expérience au cours du tournage d'interviewer à l'aide d'un interprète un des personnages centraux du film, qui est Khaled, qui en quelque sorte qui nous a aidé à réaliser le film, qui a co-réalisé le film avec nous, tant il était attentif à notre travail. On a essayé de faire une interview qui n'a pas marché. Il n'a pas marché parce que cette relation intervieweur-interviewé ne fonctionnait pas. Il ne comprenait pas pourquoi on posait des questions, brusquement on posait des questions qui pour lui étaient évidentes. Il était évident que nous connaissions la réponse parce qu'on avait déjà passé 2 ou 3 mois dans la cour. Ça n'a strictement... C'était une situation qui était extrêmement artificielle. Donc ça nous a confirmé que le passage par l'interview ne fonctionnait pas. Hein. La parole devait être prise à l'improviste dans de véritables situations de parole
de discussions, de palabres, de négociations, mais ne pas faire en sorte qu'elle émerge d'une manière artificielle, hein, par un questionnement. Ça ne marchait pas. Donc on avait là on a eu la contre-épreuve de notre pratique. Cette contre-épreuve était totalement négative. L'interview, ça ne fonctionnait pas. J'aimerais ajouter que le fait de ne pas comprendre la langue nous contraignait à avoir un regard beaucoup plus acéré sur ce qui se passait. Il fallait que l'on comprenne visuellement les situations. Usam rolke jo vidna pa na o dena na usam meda kar o yara la dena na yara o da morwar ke jan ke na kar jo vidna pa ha jaisa khule dile na main tera kaam nahi bolya da na jaisa tera bhi kaam nahi khule dile na medal dela da theek hai bilkul naraaz nahi hai tu dena na tu na tako main kadan tako gaag na naraaz ho kyon jo ustad ji usa ka je gaag naraaz ho jaye to khuda naraaz hai ye gal theek hai ya nahi ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਮਾਰ ਛਿਓ ਰੰਗ ਕਪੜੇ ਦਾ ਲਵੇ ਮੇਰਾ ਗੱਲ Même sans caméra, nous avions une caméra vissée à notre regard. C'est une expérience que je n'avais jamais pratiquée jusque-là, qui n'est pas exemplaire. On ne peut pas en faire un système. On aurait pu totalement passer à côté du film, à côté de la réalité, et donc à côté du film. Mais ça a été une expérience heureuse, et je pense que c'est dû à cela. C'est dû aussi à la complicité, la générosité des personnages du film. Avec les camionneurs, ce qui nous a permis de créer cette connivence, c'est d'avoir accepté de nous lancer dans l'aventure de leur voyage, de ne pas les avoir suivis en voiture, par exemple, d'avoir voyagé à l'intérieur du camion, et Dieu sait si ces camions ne sont pas confortables. D'avoir tout partagé avec eux, c'est-à-dire aussi bien les repas dans ces relais que le sommeil au bord des routes. D'avoir été partie prenante de leur aventure, ils voyaient bien ainsi que ce n'était pas commode de filmer dans ces camions. Ils avaient conscience que nous étions parfois en difficulté. Ces camions sont extrêmement chaotiques. Tenir la caméra n'était pas évident. Il pleuvait, il faisait chaud, il faisait froid. Ils avaient conscience que nous étions des artisans exposés, comme il était aussi. Il ne suffisait pas de se limiter à la route, au chargement et au déchargement. Il fallait aussi envisager dans tous ses aspects l'organisation à la fois humaine et technique des transports routiers. Les activités des camionneurs, les convoyages, les chargements et les déchargements dépendent étroitement des officines de fret que l'on trouve le plus souvent au cœur même des grands marchés. Ces officines, d'importance variable, ont toutes en commun un combiné téléphonique qui est le point central de chacune d'elles. Ce sont des carrefours indispensables dans la vie économique du pays. Ces officines tracent les itinéraires, négocient les prix, orientent les camions d'une ville à l'autre du Pakistan. Le trafic s'effectue de jour comme de nuit, dans des conditions difficiles, dues au surpoids du chargement, à la vétusté mécanique des camions, au délabrement des routes, à la fatigue extrême des camionneurs qui doivent non seulement conduire, mais procéder au chargement,
au déchargement de nuit comme de jour. On parle, c'est un peu la tarte à la crème, anthropologie, de parler d'anthropologie partagée. Bon. Là, de fait, il s'agissait d'une anthropologie partagée. Enfin, peut-être, il paraît toujours un peu prétentieux de dire anthropologie partagée, en tout cas qu'il y avait manifestement une complicité. Je préfère dire complicité qu'anthropologie partagée. Bon. C'est un concept qui est trop souvent utilisé et qui recouvre des situations souvent très différentes. Mais pour mettre en place ce film, encore fallait-il au préalable pratiquer un repérage d'une grande amplitude. Pour cela, nous nous sommes rendus dans les principales villes pakistanaises de manière à avoir un échantillon le plus large possible. Cette phase d'exploration ethnographique obligée nous a fait découvrir que ces cours d'artisans n'avaient pas seulement pour fonction d'abriter des mécaniciens, des charpentiers et des peintres. Des troupeaux de buffles cohabitaient aussi, parfois, avec les camions. Les cours étaient enfin des lieux d'intense sociabilité, des carrefours de rencontres. Des enfants orphelins trouvaient là de quoi glaner et survivre. Au sortir de l'école, des grappes d'adolescents transformaient l'espace en cours de récréation. Des colporteurs proposaient des objets décoratifs en tout genre. Des beignets. Des glaces artisanales. À l'abri des camions, de jeunes écolières s'essayaient parfois au mystère de la séduction. Dans l'attente d'un nouveau client, les artisans passaient leur temps à des jeux de société. Les rues avoisinantes était le prolongement vital des cours. C'est là que les artisans venaient se restaurer et s'apprévisionnaient en pièces décoratives faites de métal repoussé, enchâssées de motifs colorés. Entre la rue et la cour, de petits serveurs de thé assuraient le lien. Dans un va-et-vient incessant, ils apportaient aux artisans la boisson réparatrice, prétexte à des pauses qui rythmaient leur travail. C'est cette première phase préparatoire qui nous a permis de créer des liens, d'apprivoiser l'inconnu, de susciter des complicités nécessaires à la réalisation du film, de répertorier des activités secondaires, discrètes, minuscules peut-être, mais qui contribuaient à fonder l'univers singulier de ces cours. Mais dans ce foisonnement, il fallait mettre de l'ordre, trouver des axes pertinents, faire émerger du sens, construire enfin un scénario. Ce qui nous préoccupait, c'est de construire le film autour de personnages qui seraient
qui articulerait le film, sur lequel le film serait articulé du début à la fin. Hein. Dire que des personnages auxquels on pourrait, auxquels on pourrait se familiariser. Et c'est un. Au lieu de faire une sorte d'inventaire purement ethnographique de la décoration. Ce qui nous intéressait, c'est la décoration, bien sûr, c'est cet investissement considérable, c'est cet imaginaire extrêmement exalté autour des camions, c'est toute cette fantaisie, cette inspiration, ce talent, je dirais. Cette débauche de créativité et de dépenses somptuaires a été le ressort premier de notre projet. La question était, pourquoi ces camionneurs, dans leur système économique, détournent-ils tant d'argent dans la gratuité de la décoration, dans cette effervescence esthétique autour du camion? Le camion, dans sa fonction première, n'étant qu'un objet utilitaire, un outil de travail. Pourquoi ces palaces princiers portent-ils sur leurs flancs autant de richesses décoratives qui représentent le quart, voire le tiers du prix du camion? Nous pensions dans un premier temps à cette nécessité impérieuse dont parle Georges Bataille, qu'ont certaines sociétés de consommer une partie de leur richesse en pure perte. Avions-nous donc affaire à cette part maudite que les hommes détournent de l'économie marchande pour accéder à un au-delà de spiritualité? Et si cette part maudite était dans le milieu d'un camionneur, la part sacrée dédiée à Dieu? Rien, en effet, n'est trop beau pour Dieu. Et au demeurant, le camion pakistanais appartient à Dieu et doit se présenter dans le milieu des camionneurs dans une magnificence absolue, dans une gloire sans faille. Et derrière ce phénomène étrange, il y avait des hommes. Et ces hommes, il fallait qu'ils nous soient familiers pour qu'ensuite ils soient familiers aux spectateurs. Hein. Mais on n'a rien inventé là. Je pense que les films qui nous ont permis de faire du cinéma, qui nous ont poussé à faire du cinéma, qui nous ont inspiré cette démarche cinématographique. Je pense par exemple au film Faerty Nanook. Hein. Ce qui fait Nanook, ce qui fait le film, c'est le personnage, c'est Nanook et sa famille. C'est un peu ça qui nous préoccupait, c'est de trouver un lieu, pas forcément plus intéressant qu'un autre sur le plan de la décoration. On n'a pas cherché les plus beaux camions, on a cherché surtout la rencontre avec des êtres humains qui soient dans un rapport de complicité avec nous et qui deviennent par là des personnages. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si t
ਪੋਸ਼ੋ ਗਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਚਲੋ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਮੈਂ 65 ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਓ ਤੇ ਲਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਪਰ ਛੋੜ ਦੇ ਅਕੇਲਾ ਲਾਲ ਮਨਾਇਆ ਮੈਂ 65 ਸਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਇ ਤੂੰ ਫਾਰਸ ਸਹੀ ਬੱਧੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ